Salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh là là, cette énergie. Voilà, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Lily Rose? Aujourd'hui, on prépare notre valise pour aller en vacances. Et où est-ce qu'on va en vacances? Regardez, la valise est juste là. Nous allons au... Maroc. Voilà, on change de pays. Donc ouais. Là, elle dit, on va préparer la valise, mais on va pas faire que ça dans la vidéo. Normalement, à la fin de la vidéo, on est au Maroc. Donc voilà, ouais. tout est prévu. On a les billets d'avion, on a la voiture pour y aller. Là, il manque plus que Lily Rose. Normalement, elle devait faire sa valise hier soir. Mais je me suis endormie. Donc... Mais, non, t'as préféré parler avec tes amis toute la journée. Faut pas le dire, faut pas le dire. Elle a parlé sur Snap avec sa nif, comme elle dit, avec ses amis là toute la soirée. Bon allez, qu'est-ce que tu vas nous prendre pour aller au Maroc? Alors, des t-shirts. Les amis, on va partir que une semaine, donc ça va être assez rapide. Et on va voir des gens, on pense que vous les connaissez, peut-être que vous savez qui c'est, voilà, on vous dira rien. Mais bon, on espère que ça va bien se passer. Oh bah toi, elle prend les piles de vêtements. Bah non, mais on... Faut faire attention parce qu'il va faire 40 degrés. Hein. Bah ouais, bah je prends des t-shirts. Là c'est l'été, bon allez, des shorts, est-ce que t'as des shorts? Bon, je vais prendre. Voulez-vous des shorts? Bah déjà elle en porte un. Mais bon, tu vas pas partir avec un seul short quand même. Hop, voilà. Bon d'ailleurs il faut que je prévienne Peppa Pig parce que là les amis on est censé partir dans 15 minutes en voiture. Lily Rose, qu'est-ce qu'il y a? Bon j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je viens d'avoir un coup de téléphone de l'agence de voyage. Bon on doit partir. Bon t'as pas encore préparé ta valise? Bah on est en train ah, attends stop là, je comprends rien, pourquoi t'es stressé comme ça? L'agence de voyage elle vient de m'appeler, elle a annulé le voyage au Maroc. Est annulé. Comment ça il a annulé? Mais pourquoi? L'avion qui devait partir. Oui. Ben voilà, il va pas décoller, quoi, il va pas. Comment ça, non, ils ont reporté. L'avion, il est censé partir dans 3 heures là. Bah oui, non. Justement, et l'avion, il y a une panne, une grosse panne, donc ils ont blisé de décaler. Donc, mais on comprend rien à ce que. Non, mais là, ça se voit que t'es en stress là. Part d'ici, voilà, on va regarder, je vais aller voir sur le téléphone. De toute façon, c'est moi qui ai réservé le voyage, on verra. C'est pas la peine de faire tes balises, Lily, de toute façon. Blague, on va prendre un avion après. Non mais vous avez vu comment il est en stress là. Je sais pas ce que la personne lui a dit au téléphone. Attends, mais c'est terrible. Attends, je vais regarder. Ils m'ont certainement envoyé un message. Quoi? Mais je suis en train de regarder les messages. Je suis en train de regarder. Punaise. Non, c'est vrai, ils m'ont envoyé un mail. Ils m'ont dit bonjour. Suite à la panne de votre avion. Bon là, ils donnent le numéro de l'avion. Nous ne pouvons pas effectuer le voyage comme convenu. Votre voyage est reporté de une semaine. Mais dans une semaine, c'est terminé. C'est pas possible. Attendez. Non, mais dans une... Elle éternue de stress. Ça y est. Là, tout le monde est stressé. Donc là, les amis, dans une semaine, c'est pas possible. Parce que nous, on a réservé un appartement pendant une semaine. Donc là-bas, si on arrive dans une semaine en avion, on n'a même pas de quoi... On peut pas y habiter, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, écoutez, les amis, on va quand même finir la valise. Je te donne 5 minutes pour finir la valise. Ouais. On va quand même aller à l'aéroport et on va essayer d'avoir un vol. Ouais, t'as vérifié aussi. Tu vois, j'ai pas menti. Ah oui, j'ai vérifié, mais t'avais l'air tellement bizarre. Je me suis dit, des vacances, là, avec... qui, tu sais, bon, t'as prévenu ou moins? Oui, non, mais t'inquiète, on fait la valise. Ouais, il a raison, je vais prévenir les personnes qui sont censées venir nous chercher à l'aéroport. Bon, voilà, on vous dit toujours pas qui c'est, on va pas vous spoiler. Mais bon, vous les connaissez certainement. Mais je vais les prévenir, les amis. Et là, on va quand même terminer la valise. Et on va quand même aller à l'aéroport. Là, ça y est, vous m'avez stressé pour la journée, j'en peux plus. Là, les amis, les problèmes s'accumulent. Là c'est une vraie catastrophe. Là ce voyage je sais pas s'il va avoir lieu. On avait pris une nounou pour les chats. Voilà, qui était censé habiter chez nous pendant une semaine pour garder les chats parce qu'il faut bien leur donner à manger, il va falloir changer leur litière et tout. Elle annule. La personne qui est censée venir pour s'occuper des chats vient d'annuler par téléphone alors qu'on est censé partir là dans 5 minutes. Ouais non. on va inviter. Oula. C'est le chat qui fait ça. Et le chat, il est dans le carton. Il veut pas qu'on parte. Non, mais vous inquiétez pas. Regardez. Ils sont tristes parce qu'on va partir. Mais bon, on doit partir quand même. Heureusement, il y a notre cousin, du coup, que vous connaissez, Valentin, qui va pouvoir s'occuper des chats. Je l'ai pris en urgence. Bon, Peppa Pink, c'est bon, finalement, c'est Valentin qui va garder les chats parce que la nounou a annulé. D'accord. Et les amis, on va partir en voiture immédiatement parce qu'on a peut-être une chance d'avoir un avion. Normalement, on devait avoir l'avion de 14h. On aura peut-être un avion à 16h. Peut-être qu'il reste des places. Donc là, il faut qu'on aille au plus vite à l'aéroport.
Sauf que le souci, c'est que Lily Rose ne trouve plus son passeport. Non, ouais. Et sans le passeport, bah, on peut Bah, pas nulle part, partir. ouais. Donc voilà, on a 5 minutes pour trouver le passeport et pour aller dans la voiture. C'est, C'est bon. ce voyage, c'est une catastrophe. Catastrophe. Heureusement J'aurais que j'ai même fait. pas su d'avoir la Ouais, vue. heureusement que j'ai fait une vidéo parce que sinon personne m'aurait crap. Allez, bon, tout est bien qui finit bien, les amis. Lily Rose a retrouvé son passeport. Ouais. Là, on va mettre nos valises dans la voiture. Bon, par contre, on n'a pas fait attention, mais la valise est trop grande, donc elle va devoir aller en soute. Donc, on va devoir payer encore Beaucoup. plus, parce qu'elle peut pas rentrer dans l'avion normal avec nous, comme un passager. Donc là, il n'y a une galère y a en plus, que des catastrophes. Donc là, on va s'installer dans la voiture et on espère que Peppa Pig va terminer sa valise rapidement parce que finalement, il n'avait pas terminé non plus sa valise. Bon, ça se voit que vous n'êtes pas habitué à partir en vacances. Hein, parce que moi, cette année, je suis déjà parti à New York et au Japon, à Tokyo. Nous. Et sans vous, bah vous n'avez pas, pas voulu venir. Donc là, le Maroc, je me suis dit, enfin un voyage qu'on va pouvoir faire ensemble. En plus, on va retrouver des gens qu'on aime bien tout ça. Bon, par contre Peppa Pink il fait quoi? Bah je sais pas, il est long là. Peppa Pink! Peppa Pink! Qu'est-ce qu'il... Non mais là en vrai ça m'inquiète, faut vraiment qu'on parte maintenant, on reste dans la voiture. Okay. Oh les amis, punaise. Là on aurait dû déjà partir depuis 5 minutes. Hein. Heureusement que finalement l'avion il a été annulé le premier parce que là on aurait été en retard. On aurait même pas pu partir. Peppa Pink! Oui, mais faut se dépêcher là, on doit partir tout de suite là, j'espère que ta valise elle est prête. Ah, bon, là je le sens très mal. Non mais le passeport on l'a retrouvé. Je le sens très mal ce voyage. Franchement c'est une catastrophe de voyager avec eux. Mais il était dans la pochette de son sac. Mais et ta valise? Mais bah, je mise dans la voiture Esteban. Mais non mais ta valise dont t'attendais, ça fait 10 minutes qu'on t'attend parce que tu dois faire ta... Tu l'as pas prise. Non mais c'est pas possible. Non mais tu m'as dit que t'allais la terminer. Non mais personne se comprend dans cette famille. C'est une catastrophe. Non mais Lily Rose, là je pense qu'on va annuler le voyage hein. C'est une catastrophe. Il a même pas pris sa valise. Mais c'est une blague. Ouais, il a dit ah mais je pensais que c'est toi qui l'avais prise non, mais et c'est tout. Au pire on y va sans habits et voilà. Oh, on y va sans vêtements, ouais on bien en sûr, on va là-bas. Faire quoi? Non, on va pas en acheter là-bas. Bon là les amis, c'est une catastrophe. J'espère que la prochaine fois que je, j'espère que quand je vais couper la caméra, la prochaine fois que je l'allume, j'espère que c'est à l'aéroport. Sinon ça sent la catastrophe. C'est ça ton oui bagage. Bah de toute façon j'ai pas beaucoup de choses à prendre. C'est ça ta valise. Oui j'ai pas. Mais t'as pris, c'est un sac de course. Allez hop. Ils vont jamais te laisser passer avec ça. T'as pris quoi? T'as pris 3 slips? Mais qu'est-ce que c'est que ce Allez, truc? Laisse tomber, c'est mes affaires. Les amis, c'est une catastrophe. Allez, attendez, j'arrive tout de suite. Hein. Je vais aux toilettes. De toute façon, on n'est plus à 2 minutes près. Les amis, c'est une catastrophe. Là, je pense que je vais annuler ce voyage et je repartirai tout seul au Maroc dans quelques jours. Parce que là, entre Lily Rose qui fait à moitié sa valise, Peppa Pink qui prend un sac de course. Je sais même plus quoi dire de cette famille. L'avion qui a annulé, bon ça c'est pas à cause de nous, c'est à cause de l'aéroport. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et en plus là je viens de recevoir un message. Le vol de 16h qu'on pouvait prendre du coup, il est plein, il n'y a plus de place. Donc là je sais plus quoi faire, je sais plus quoi vous dire. J'espère qu'un jour on réussira à partir au Maroc. Dites-nous si vous voulez qu'on y aille. J'espère qu'on ira cette année ou au pire on ira en 2025. À la prochaine les amis, j'espère pour une vidéo plus joyeuse. Bah du coup on va rester ici hein.